Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous parler un peu plus de mon concours qui se termine bientôt. Donc pour commencer le concours, je décale la fin. Normalement elle était prévue pour le 4 février et je la pousse jusqu'au 8 février parce que certaines d'entre vous ont fait la création mais n'ont pas eu le temps de l'envoyer ou ont des soucis, enfin bref. Donc du coup je décale et ça permet à ceux qui veulent encore participer de pouvoir participer. Donc ça c'était la première chose. Ensuite donc c'est décidé, il y aura deux gagnantes. Donc il y aura une gagnante qui sera choisie par mon chéri. Donc parce que mon chéri adore regarder les créations de scrap. Et du coup a un peu commencé à regarder les créations que l'on m'a envoyées. Et je me suis dit pourquoi ne pas lui faire choisir une carte qu'il adore selon le comment ça a été fait, etc. Donc une gagnante sera choisie par mon chéri et la deuxième gagnante sera tirée au sort. Donc voilà, donc deux gagnantes. Pour l'instant j'ai reçu 19 participations, donc c'est super cool. Merci à toutes celles qui ont participé et à celles que je vais recevoir. Donc je vais citer les noms, enfin les prénoms des personnes de qui j'ai reçu les créations. Donc je vais pas dire le nom de famille. Donc j'ai reçu la participation de Cécile de l'univers de Lou, Sandra, Aurélie, Karine de Karine Scrap, Adeline, Sylviane, Esprit Scraplore, Nathalie, Claire, Laetitia, Kathleen, Megan, Jennifer, Pascaline de Créa Pasca, Laetitia de Tease Chip, Aurore, Anaïs, Mélissa et Karen. Donc voilà pour les participations que j'ai reçues. Donc dites-moi s'il y en a qui ont participé et qui n'ont pas encore, qui n'ont pas été cités et qui ont déjà envoyé leur participation. Peut-être qu'il y a eu des soucis ou que j'ai oublié d'en noter une. Voilà. Et donc en même temps, je vais vous montrer les petits lots que j'ai préparés. Donc j'ai deux lots mais j'ai pas encore choisi pour celle qui sera choisie par mon chéri et celle qui sera tirée au sort. Donc je vous montre ça comme ça. Alors le premier lot, il y aura des tamponnages. Donc je vous montre juste le premier, après les autres je laisserai à la personne qui gagne le soin de les découvrir. Ensuite des petites étoiles en bois, voilà, de différentes tailles. Une petite planche de tampons. J'ai laissé le prix dessus, faut peut-être que je l'enlève quand même. Et on voit pas trop ce que c'est. Enfin bon, c'est des petits cœurs. Vu que la Saint-Valentin approche, ça peut être pas mal. Ensuite, des gommettes. Ils appellent ça des gommettes décoratives, donc c'est des étoiles. Après, des petites fleurs. Un petit carnet. Une petite pochette de scrap bidule. Là aussi, je ne vais pas détailler. Des embellissements clés. Voilà. Des petites attaches parisiennes. Des embellissements papillons. Deux badges. Des petits cœurs et des petites étoiles. Hop. Des embellissements comme ceci. Et pour finir, cette petite planche. Alors bien sûr, il y aura aussi des découpes. Mais ça, je ne vais pas vous les montrer non plus. Je laisserai à la personne qui gagne le soin de découvrir. Donc voici pour la première, le premier lot. Alors les lots se ressemblent. Je ne vais pas... Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas encore désigné à quelle gagnante ce sera. Hop, je range vite fait pour ne pas mélanger les deux lots. Donc voilà. Ensuite, oups. Donc pour la deuxième gagnante, une petite planche de tampon aussi.
des tamponnages, deux petits badges aussi, donc c'est pas les mêmes. Une pochette de scrap bidule, des petits cœurs en bois, donc pareil que les étoiles, il y a différentes tailles, des attaches parisiennes décorées, des embellissements oiseaux, qui a un peu de volume. Les gommettes décoratives mais en doré, donc des étoiles. Des embellissements cadres. Cette planche d'autocollant sur le thème de la musique. Cette planche avec des autocollants sur la nature, des papillons, des fleurs. Voilà. Et une planche d'étiquette. Voilà, donc, et puis pareil, des découpes que j'aurais faites avec ma silhouette. Voilà pour mon concours, les précisions un peu plus. J'ai plus rien à dire, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.